Et puis tout ça. Donc cette planche de tampon avec les chiffres, donc pour faire les calendriers de l'Avent, je l'ai trouvé sur AliExpress, Tonton Ali. Je l'avais commandé début fin septembre, début octobre, là-dessus la semaine dernière. Donc j'ai envie de tamponner sur... j'ai des chutes de papier noir. Je vais voir sur quoi je peux... Est-ce que ça tiendrait sur ces chutes-là? Ça a pas l'air mal. Je vais faire un essai déjà sur une chute pour essayer de voir si je peux en tamponner plusieurs. Faire plusieurs à la fois, quoi. Donc ça, c'est pour ma poudre. J'ai ma VersaMark. Donc par exemple, les blocs. Je savais bien que j'avais un bloc. Par contre, ouais, j'aurais dû prendre un grand bloc. Enfin bon, je vais essayer de les faire un par un. Parce que là, est-ce que je peux en mettre deux? Je suis pas sûre. Ou alors comme ça. En biais, comme ça, je peux en mettre deux. Je vais faire deux par deux. Je vais les faire deux par deux. Donc ça, hop, ça me gêne. Ah, j'ai pas mis de crotte. Bon, je vais essayer. J'ai encore dit... Là, alors je vais mettre de la poudre dorée parce que je pense que ça ira mieux. Quelque chose là-dessus. J'en fais un petit peu avec vous et puis je ferai le reste en hors vidéo parce que ça me prend du temps de faire. Donc là, mon vieux It Gone, est-ce qu'il va y avoir un juste sur le bleu? Je vais mettre sur le dos comme ça d'abord. Et ensuite, ils sont devant. Il va être trop grand par rapport à mes boîtes. Il faut essayer avant de tous les faire. On a brûlé les trois bouches. Donc ça donne ça où vous êtes, ça donnera ça. Donc déjà je vais remettre ça dans ma petite boîte là. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si j'ai une perforatrice pour les découper. Que c'est, il n'y a pas de dalle. Après, je pense qu'ils sont tous de la même taille. Je vais fermer ça. Je vais aller chercher une perfour. Ouais, c'est celle-là. Donc, j'essaye de viser juste. Donc, ça donne ça. Je sais pas où vous êtes. Mince.
pas facile de vous faire voir. Donc ça me paraît pas trop mal. Non, c'est pas celle-là. Si je me trompe de perfo, ça va pas le faire. Donc ça fonctionne avec... Bon là c'est peut-être... ouais, ça coupe un peu moins, mais... Le chiffre 1, donc je vais voir si... Parce que celle-là va être trop grande. Je regarde quand même. Ouais, celle-là, elle aurait pris plus grand. Donc vaut mieux, ça mange un petit peu de dessin. Celle-ci mange un petit peu de dessin, mais ça va. Parce qu'il me reste des petits... Ouais, ces petits points de doré, là. Donc je vais voir sur mes... Je vais en prendre un. Est-ce que ça va là-dessus? Oh bah si, impeccable. C'est impeccable, ça ira là-dessus. Ça ira très bien dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous mes numéros. Je vais tamponner tous mes numéros. Je fais hors caméra et puis je vous reprends après. Comme ça. J'essaye de voir pour vous. Essayez de vous les faire voir, mais c'est pas évident. Voilà, je vous les fais voir en bougeant ma caméra. Hop là, excusez-moi, ça va vous donner le tournis. Donc là, j'ai de 1 à 10. Ensuite, je vais pousser. Et là, j'ai de... De 11 à 20, et le dernier. De 11 à 20, et les derniers 21, 22, 23, 24. Donc je vais les coller sur mes tiroirs. Je vais les coller sur mes tiroirs. J'essaye de vous faire voir ce que ça donne la planche de tampon. Donc là c'est embossé à chaud avec de la poudre dorée sur un papier noir. Vu que mes boîtes sont en noir et bleu marine. Voilà. Si je dézoome, ça donne quoi? Là, vous les voyez tous là. Voilà, ça donne ça, les chiffres. Donc je vais les coller. Donc là pour l'instant je vais les coller les uns après les autres. Donc le chiffre 1 ici. C'est tout. Là je mets mon chiffre 1. Hop. Donc je vais mettre le 2 ici. Donc j'ai récupéré le trop plein de colle et puis je vais essayer de faire bouger un peu, on va mettre un peu partout. Donc le chiffre 2 je l'ai mis de l'autre côté, je vais mettre un coup à droite, un coup à gauche, voilà, donc je colle mes chiffres et puis je vous reprends après. Donc voilà le résultat final. Donc là j'ai fait ma petite décoration dessus quoi. Donc j'ai tout collé au pistolet à colle chaude. Donc j'ai mis des petites boules marron et doré. Là j'ai mis un papier bleu, un papier brillant bleu. Bon, il y a les fils de colle qui sont dessus mais j'arrive pas à les enlever. Donc voilà. Et pour vous faire voir plus en détail. Donc voilà. Et donc c'est un calendrier de l'avant donc qui tourne. Et j'ai aussi rajouté donc la petite bande. Ici, une petite bande de papier déco. 19 cm sur 1,5. Voilà, donc ce que ça donne. Voilà. Donc je vais proposer à mon infirmière, si ça l'intéresse, je vais lui donner.
Sinon, bah, je le mettrai de côté. Donc je dis bye bye, à bientôt.